Bonjour, aujourd'hui sur Mécanique TV, je vais vous montrer comment démonter un démarreur sur un Scénic. Voilà, bon là c'est un moteur 1 litre 9 DCI. Donc on commence par enlever le cache-patrick qui est maintenu par ce bout. On ne voit pas bien avec le soleil, c'est dommage. 1, 2 et 2, 3 et 4 boulons de disque. Ça c'est le cache-patrick. Support batterie. Alors, dès qu'on a enlevé, il nous reste à enlever 3 boulons. 3 boulons de 13. Les 3 boulons de 13 se situent juste derrière, en dessous des durites. Donc, je ne sais pas si on va faire. J'ai déjà démonté deux. Donc, bon, ils sont visibles. Bon, moi, je n'ai pas démonté les durites. Hein. Je suis allé directement en dessous. Derrière ces petits en dessous, ils sont visibles si on les enlève. Les durites, c'est facile d'enlever. Hein. Il y a 3 boulons. Dès qu'on a enlevé les 3 boulons, il nous reste à démonter les connexions derrière du démarreur. Donc pour ça, je vais aller en dessous et je vais aller vérifier. Hop, il faut que je mette le flash parce que voilà, le démarreur, on le voit, il est visible. On a le petit bouton là. Le plus, il est maintenu là, on l'enlève et il sort normalement. Voilà, boulon de 13 et c'est bon. Il n'y a rien de compliqué. On va essayer de le démonter et je reviens vers vous. Voilà. Voilà, je l'ai démonté et c'est bon. Je ne sais pas si on va voir. Hop, on dévisse, on va sortir. Voilà. On a la petite cosse. On va le tirer. Mal parce que ça bouge pas uniquement parfait. Donc voilà, on a ce petit bouton à démonter de 8. Voilà qu'on voit. Je pense que c'est juste là. Et là-dessus, là, sur le bouton, là-dessus, il reste là que je tourne. Voilà. Donc on a fini de démonter, on retire. On a retiré. Il y a juste à le faire sortir. Voilà. Et voilà, on a juste à remettre l'autre.